Nous sommes sur Test of Paris avec Mohamed Chir, le gagnant de Top Chef. Enfin une qui le dit correctement. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on fait sur le salon comme Test of Paris? Alors c'est un salon qui est génial, qui regroupe beaucoup de chefs et beaucoup de restaurateurs. Et notamment donc on a des petits stands en fait, des chefs qui font leurs desserts, leurs plats signature et qui en profitent pour faire partager au grand public en petites portions. Dans votre actualité, vous êtes chef en résidence invité à la Réserve Paris par Jérôme Banquetel. Le chef qui a fait de la petite étincelle que j'étais une grande flamme, parce que c'est le seul qui m'a fait confiance quand j'ai commencé la cuisine et qui m'a offert un stage donc, au restaurant Saint-Dérins et m'a pris sous son aile. Donc à l'époque, moi, j'avais jamais eu d'expérience encore en restauration. C'est lui qui m'a fait découvrir le caviar, les Saint-Jacques, les huîtres. Il m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment fait partager beaucoup de choses. Et finalement, revenir avec lui 10 ans après, avec une victoire dans un concours gratifiant comme Top Chef et dans un palace parisien, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est une personne vraiment qui compte beaucoup pour moi. Chef Benosso, ça s'est super bien passé. Je ne m'attendais pas que ça se passe si bien d'ailleurs. C'était génial, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tous les clients de mon ancien restaurant qui attendaient l'ouverture, donc qui étaient là au rendez-vous. Et c'était très fort, c'était très beau. Voilà, c'était super, très émouvant. Les gens sont heureux d'être là de toute façon. Ça, c'est un événement où tous les ans, c'est vraiment des gens, des épicuriens, des gens qui ont envie de discuter qui sont là. Et puis, bien sûr, tous ces mouvements qui sont là sur la... où on peut déguster sur la gastronomie, fait que ça attire beaucoup. Bienvenue au Paris-Brest. Le Paris-Brest est venu à Paris. On teste Paris. Ouais, je sais, c'est incroyable ce que cette période de confinement a pu créer comme créativité chez les uns et les autres. Et c'est fou comme l'homme a vocation à se réinventer en période de crise. En tout cas, moi, cette période m'a beaucoup inspiré, notamment pour ces sandwichs. Et j'ai adoré faire ça. C'est un des plus beaux projets d'ailleurs de ma jeune carrière. Et j'ai adoré lancer ça, mais de le faire de la bonne façon.